Et bonjour à tous, c'est Kikoul et aujourd'hui. Non, j'espère que vous allez bien. Oula, j'ai loupé mon intro. Ça commence bien. On se retrouve à nouveau pour. Voilà. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo spéciale. Parce que. Il se trouve que actuellement. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire hier quand même, je vous ai sorti une vidéo où j'ai dit j'ai pas fait top 1 mais j'en suis fier. Et je me suis dit aujourd'hui, et si on faisait top 1 et sans en être fier? Voilà, c'est dans ma tête, c'était ça. Bon, le problème, je vais le voir par vous-même. Hein, voilà. Donc pour moi, pas être fier, c'est camper. Donc j'ai voulu camper un peu. Enfin, au début, pas trop. Au début, je campe pas trop. Mais j'ai voulu camper. Alors on a un peu tôt dans la vidéo, on a des crashs de météorites, on a du lama. Et un top 2. Mais un top 2, j'ai fait quand même quelques kills en fait. Donc j'en suis quand même fier en fait finalement. Mais bon. Donc voilà. Donc là déjà voilà, je trouve un coffre, je suis fier. Premier truc, bam bam bam. Bon, déjà la carte s'affiche. C'est mieux la carte s'affiche. On a un bon début. Donc là je trouve pas trop d'armes, moi ce que je veux c'est mon fusil à pompe tactique là. Bon, je le trouve pas. On va pas se le cacher, je suis un peu déçu quand même. Hein. Donc je sors et je me dis voilà là-dedans il va y avoir du monde. Mais bon, camper, tu campes, enfin des kills, donc bon, voilà. Donc j'ai voulu y aller pour chercher du monde. Puis là, j'ai commencé à avoir un bon distributeur. Bon là j'ai pas fait attention je crois au distributeur au début. Hein. Au début le distributeur j'en avais rien à faire. Hein. J'avais pas vu qu'il y avait le fusil tactique, tout ça. Donc là pour l'instant juste je fouille. Je fouille, je cherche une arme, mon fusil à pompe, tactique justement, que je cherche. Y'a rien là. Là sur le toit il doit avoir des munitions. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Après là-dedans, il n'y avait rien de spécial. J'étais un peu déçu, il y avait quand même un fusil sniper, ouais. Mais c'est tout. Le reste c'est des munitions, il y avait un coffre, mais le coffre il est quoi dedans? Il y avait un deuxième fusil de sniper dedans. Voilà, c'est tout. Enfin en plus je l'ai même pas pris quoi du coup. Mais je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Je sais plus si c'était là-dedans qu'il y avait la boogie boogie. Ah non, boogie boogie je l'ai prise avant. C'était dans l'autre coffre. Qu'est-ce que j'ai pris dans celui-là? Il y avait des munitions. Évidemment qu'il y avait des munitions. Mais bon après Ah ouais, la gourde du brave. Oh, on s'amuse. Pardon. Excusez-moi. Je m'en souviens plus parce que je l'ai prise très rapidement sans que ça me soit forcément utile. Donc là voilà, je sors et c'est là que je me rends compte qu'il y a un fusil tactique à pompe tactique dans le truc. Et je voulais voir si c'était du bois. J'ai eu 300 de bois et là j'ai commencé à farmer le bois. Et j'avais juste peur parce que déjà une fois j'avais un distributeur légendaire, je sais plus quand, c'était il y a très longtemps. Enfin combien, une semaine après que j'ai sorti je crois. Et il me manquait très peu en fait de ressources. Et j'ai farmé les ressources et du coup quand j'ai farmé les ressources, j'ai pas fait attention aux joueurs qui pouvaient venir me tuer. Donc du coup je suis mort comme ça. Je suis mort en farmant du bois. Super comme mort. Hein. Ah, du coup là j'ai essayé de faire plus attention. Bon j'avais quand même peur, enfin voilà, peur. Voilà, je relativise hein, mais je veux dire que le bruit attire des gens. Donc là je pense que je casse pendant longtemps quand même, on va passer ça. C'est pas très intéressant. Voilà, donc là. Donc déjà le temps que je fasse ça, la zone dans 10 secondes a bougé, pour la première zone je parle, a bougé. Quoi? Ah il y a des gens, on peut voir les gens autour de moi. Ah donc il y avait des gens de l'autre côté. Oh c'était à la bourre. Et on est déjà 38 quoi. Donc c'est pas vraiment campé, mais c'est à partir de là que j'ai eu l'idée. Et si j'essayais de faire un top 1 sans en être fier. Bon, du coup, bon, le top 2, j'en suis fier quoi.
Je suis deck, j'étais pas loin du top 1, en plus j'avais welté à personne. Hein. Voilà, le lama. Alors là je voyais un lama. J'ai commencé à stresser parce que ça met hyper longtemps s'ouvrir. Là j'ai commencé à me dire putain putain putain. Comme ça je suis stressé. Et il est pas mal hein, mine de rien, il est mieux que les autres. J'ai déjà ouvert un lama il y a pas longtemps, c'était de la pure merde qu'il y avait dedans. Là celui-là est vraiment pas mal. Il m'a donné taquet de munitions pour mon fusil à pompe, ça c'est stylé. Voilà, donc je suis passé comme ça. Et c'est là que je vais boire ma gourde du brave. J'avais zéro shield. Et il y avait un truc qui m'intéressait dans le coffre. Ah, c'était une nouvelle mitraillette là, les trucs bien lourds qui font des dégâts là. Ah ouais, ça. Et donc du coup ben j'ai bu la gourde du brave. J'ai hésité hein, mais du coup je l'ai bu. Je l'ai bu parce que je me respectais même pas. Voilà, donc après j'étais vers la zone je crois hein, ouais j'ai à peu près fermé la zone quand même parce que je commence à me dire putain quand même il faut quand même bouger un minimum. On va pas se le cacher. J'espère que demain dimanche je ferai des games comme ça parce que là ça me ferait hyper plaisir pour ça. Après voilà à côté il y a des games nuls que je fais, y a des games bien pourris, mais ah il y a un mec qui me suit derrière. Mais c'est stylé qu'on puisse voir où ils sont les gens dans une sorte de mini-zone qui nous entoure. Ouais, il a construit, je crois, pour qu'il mette autant de temps à rester là. Celle-ci, j'y suis à peine passé. Je me demande même si je suis passé tout court. Non, je crois que j'ai dû traverser la ville. Là, j'étais fier, hein. Fusil à pompe. Mais je crois que si je me trompe pas, je vais remettre ça vous gêne pas j'espère. Je crois. Je sais plus où. Je sais que j'ai entendu les météorites, je crois. Hein. Au pire, je vous remettrai quand il y aura des météorites à vous montrer quoi. Ah il y avait des gens qui se battaient. Ah ça se bat. Hein. Je sais plus si j'ai intervenu ou pas. Je crois que j'ai pas intervenu sur celui-là. Non, ça j'ai pas intervenu. Ah ouais, je me demandais même ce qui se passait. Du coup je vais aller voir ce qui se passe. Alors, comme j'ai rien fait, autant vous montrer comme j'ai rien fait. Qu'est-ce que t'as fait toi? Il est où l'autre? Les mecs se battent et tout hein. Moi j'étais là, je me demandais qui j'allais tuer. J'avais fait une sniper, je comptais en sniper un des deux. Là c'est là que j'ai commencé à camper en vrai. J'ai fait mon PJ. PJ, petit joueur pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Parce que je sais que j'ai pas notre position mondiale, je veux dire. Ah c'est lui qui est mort. Ah je crois que c'était l'autre. Ok, bon voilà. Et donc là moi j'étais là en mode bon je snipe qui? Je snipe quand? Hein? Et là il y a un moment je crois que je le vois se tirer et je commence à me dire ok c'est bon il doit y avoir un de deux qui est mort. Mais là ça tire plus. Donc ça veut tout dire quoi. Mais laissez-moi voilà. Là, je crois que là je crois qu'il se tire, voilà. Et là je me suis dit bon voilà, du coup l'autre est mort, on peut y aller. Et moi je voulais essayer de sniper celui-là. Je crois que je me suis totalement raté. Et j'étais quand même pas loin. Du coup il a commencé à stresser, lui il a construit. Parce que lui il a commencé à stresser derrière. Moi j'ai commencé à me dire est-ce qu'il va camper ici ou pas. Au final non il a pas campé ici, il s'est tiré, j'ai fait ça pour rien. Mais voilà, dans l'idée, voilà, c'était plus de le snipe qu'autre chose. Hein. Là, j'ai commencé à dire il est où? Et maintenant, du coup, j'ai eu peur de monter. Il y avait un coffre en haut. J'ai eu peur de monter. Je sais pas si on le voit le coffre.
Ah, il y a un coffre en haut. Ah, non, on voit pas. Il y avait un coffre en haut, j'en suis sûr. Mais ouais. Et là, je crois que je vais sniper quelqu'un. Ça va être mon premier kill, je le fais au snipe. Hein. Non, ça doit pas être là, c'est un peu plus loin quand même. Là, c'est la zone finale. Ici, je vous spoil la fin. Hein. Ah, voilà. Regarde, là, je vais avoir un bon kill au snipe. Les deux mecs, ils se battent. Il y a deux mecs qui se battent. Non, les bases, je voulais sniper celui-là, mais il a commencé à se faire attaquer. Du coup, j'ai snipé l'autre. Et je l'ai tué. Et c'était beau. Et c'était beau. Premier kill. Le deuxième, celui-là, je vais pas le tuer, je crois. Je crois que celui-là, il est mort. Ouais, il est mort, celui-là. Et moi, au début, j'hésitais si c'était celui-là aussi. Peut-être que celui-là qui a attaqué. Au début, j'avais pas spécialement bien vu. Mais quand j'ai vu qu'il y avait du stuff, je me suis dit, bon, voilà, les trois qui étaient là, ils sont morts. Moi, je récupère tout leur stuff. C'est bon, ça va pas leur servir, ils sont morts. Mais là, le top 2, je suis deck, parce que j'aurais pu gagner en plus. C'est ça le pire. C'est moi qui ai mal joué. Là au début j'ai essayé de modifier, j'ai essayé, donc là je passe là-dedans, hop hop. Alors j'ai pensé à prendre la sphère parce que j'avais fait une game il y a... Ça remonte quand même, c'était pas hier, hein. Mais j'avais fait une game et c'était en duo avec Clément et quand j'ai fait 6 kills à Tilted, j'ai pas pris la SCAR et ça en avait choqué plus d'un. Hein. J'avais pas pris la SCAR, tout le monde me disait mais t'as pris la SCAR, oui. Là du coup j'ai pensé à vous et j'ai pris la SCAR. Maintenant dès que j'en vois une je pense à ça. Alors je me dis bon on va la prendre parce qu'après ils vont me faire un AVC. Mais bon. Après. Et là je me suis dit bon, je vais essayer de camper un peu. Et là je cherche un endroit où camper. Je lui dis on est top 11, j'ai fait un kill, maintenant on peut camper. Alors au début je me suis dit que j'allais camper là-dedans. Ce qui n'était pas une si mauvaise idée au final, hein. C'était possible, personne ne me voyait, je faisais attention au piège. Et là, voilà, j'ai essayé de camper là-dedans. Puis à un moment je me suis dit bon, il y a une différence entre pas être fier et camper juste pour faire passer. On peut camper pour tout si c'est sympa. Mais camper juste pour passer le temps, je me suis dit bon. Est-ce que je le fais ou pas? Et là, c'est là que j'ai hésité en fait. Le temps que je reste dedans, c'est le temps où je bouge, c'est j'hésite. J'essaie de voir s'il y avait des gens quand même avant de sortir. Et je me suis dit, bon, à un moment, il faudrait m'y aller. Et puis, on est Fortnite là, on n'est pas PUBG ou Roleuse. On est Fortnite. Et là, je me suis dit, bon, bah, du coup, on y va. Alors, je me suis regardé s'il y avait quand même des gens, parce que j'ai quand même comme ça stressé. Top 10, je vous jure, je transpirais, j'avais commencé à avoir les pétoches. Et c'est le genre de jeu qui fait ça, alors qu'en fait, c'est on meurt, on s'en fout quoi. Ah voilà, ah, j'ai loupé le truc. Je crois que c'était une météorite ça. Drone attaché, drone libre. Drone libre, il est où? Drone libre, et on va... Désolé pour ceux qui... Je voulais juste vous montrer la météorite. Suis trop reculé là, non? C'est où... Ah voilà. Je vais essayer, je sais pas où est tombé une météorite, donc je vais essayer de vous montrer ça d'en haut. Ça se trouve c'est même pas une météorite, je suis où moi? C'est déjà des gens qui construisent, mais moi je suis où? La météorite. Moi j'ai trop reculé. Ah bah non. Ah, c'est vraiment juste des mecs qui tiraient. Ah ok. Non c'est pas celle-là. Alors, je sais que j'en ai vu une manière. Il y a des arcs qui sont tombés, tout ça. Je suis quasiment sûr que j'ai confondu. Ah celle-là je l'ai snipé, je lui fais des dégâts. Elle bougeait pas aussi. Hein. J'ai mal visé la tête en fait, je crois. Je lui fais des dégâts. En plus elle avait du shield alors. Là elle est tombée. Putain j'ai commencé à me marrer. Mais elle est pas morte. Hein. Elle va être morte après. Là j'ai commencé à me dire c'est moi, c'est sur moi qu'on tire. Mais non. Bon, on me voyait pas trop en fait, ça allait. Ils sont où les gens? Ah ouais. Putain, j'aurais moyen que j'en voyais un en vrai. J'aurais pas campé ici, j'aurais pu le voir arriver. Là, je me suis dit, je vais retourner camper. C'est comme quoi ça sert à rien. Et là, je commence à me dire, putain, ça tire, c'est violent. Et je me dis, il se bat sans moi. Et donc, du coup, bah, j'y suis retourné, je crois. Mais je vais pas camper ici tout le temps, vous inquiétez pas. Mais j'ai commencé à avoir un peu les pétoches. On était quand même top 9, ça descendait quoi. Et là, normalement, je vais refaire un kill, je crois.
Ah voilà. Là, je commence à voir ça construisait un peu. J'ai commencé à y aller. Doucement quand même, hein, j'avais quand même mes pétoches, hein, on se le cache pas ce genre de truc. Et là, elle campait ici. Au début, je me dis, je vais au snipe, mais elle bougeait bien trop. Elle jouait bien. Et là, je croyais qu'elle m'avait vu. En fait, elle m'a pas vu, juste qu'elle construit au cas où. Elle m'a pas vu, hein. Enfin, je crois. Et là, du coup, t'as quelqu'un qui l'a rushé. Alors moi, du coup, j'ai commencé à attendre. Je me dis, bon, c'est pas vraiment du campement, mais bon. Et là, à un moment, elle vient me rush. En fait, elle m'a vu, je crois. Donc, j'ai trop bougé. Voilà. Et là, j'ai commencé à dire, putain, j'ai fait du bruit. Donc, j'ai pas bougé. Je me dis, j'ai fait trop de bruit. Et là, j'ai fait un des kits de soins. Là, il y en a un autre, parce qu'en fait, il y a quand même du stuff là. Là, on a un snipe légendaire, on a tout. Et je me dis, il y a forcément le mec qui va venir, il est pas con le mec derrière. Et là, hop, il vient. Et je crois que lui, je le kill aussi. J'ai fait 4 kills, hein, pour. J'ai aucune pitié, je vous spoil la fin. Ah oui, il m'avait pas vu! Et là, j'ai commencé à tirer, je l'ai tué. Aucun honneur. Ah là, il n'y avait plus d'honneur. Hein. L'honneur était mort. Alors, au début, je croyais que c'était une Scar en or, en fait, non, c'est un fusil à pompe, donc du coup, je l'ai échangé, voilà. Tout ça, quoi. Elle était bien stuffée. Je commençais limite à être jaloux. Là, en fait, j'avais 999 de tout. Je pouvais plus rien prendre. Avec le lama, tout ça. Et là, j'ai vu le fort de poche. Ça m'a rassuré. Là, j'avais pas vu qu'il y en avait deux des popos, en fait. Je crois qu'il n'y en avait qu'une. En fait, il y en avait deux. C'est pour ça que je vais reprendre le sniper. Ouais, tu devais en lâcher une, j'avais pas prévu ça. Voilà. En fait, je me suis trompé. Mais là, j'avais juste peur que quelqu'un me tire dessus. Alors, du coup, ben, on a fait un mini campement. En plus, j'aurais dû rester là où j'étais. Ça aurait été bien mieux. Je ferme la porte en mode au calme, personne m'a vu. Mais là en fait j'avais juste peur qu'il y ait quelqu'un quoi, c'est tout con. Mince, non, non, refous le gameplay. Ah voilà. Là vous l'avez vu autant que moi, on va y retourner un peu en arrière. Voilà. On va y aller en vitesse. Voilà, comme ça vous avez vu, une météorite s'effondre. Alors, ce qu'il y en a qu'une, j'en sais, il y en avait une deuxième, j'ai vu juste avant. Juste avant, vraiment, juste avant, je vous l'ai montré aussi. C'est quoi elle? Mais donc, la première réflexe, c'est de me retourner me planquer à Dusty, parce que. Enfin, Dusty, non. Dans une sorte de bâtiment. Ah oui, on va refoutre en x1. Mid x2, le temps d'y aller. Il se passe rien d'intéressant, quoi. Au début, je comptais camper ici. Là, j'ai peur qu'il y ait du monde. Et là, alors normalement, je sais plus quand est-ce que je le fais. Hein, le kill, là, on est encore 7. Ça va, il y a le temps. Là, je monte, hein, je regarde s'il y a personne, quoi. Je commence à stresser de ouf qu'il y a quelqu'un. Bon, le coffre, je l'ai pas entendu. Enfin, je veux dire, j'ai entendu, je fais attention, quoi. Et là. J'ai commencé à voir la zone, voir si quelqu'un arrivait. Voir si quelqu'un était. En retard dans la zone quoi. Je crois que c'est Nico qui m'a tué. C'est Nico, niveau 73, tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi moi je suis un petit niveau 6 là. Enfin, équipe 6, ah non j'ai rien dit. Non non j'ai rien dit. Mais c'est lui qui m'a tué. Il a fait 3 kills. Bon. L'autre fait 0 kill quand même. Hein. Moi j'ai mon honneur, j'ai fait des kills quand même. Alors, au début j'ai voulu snipe lui qui bougeait plus trop. Après il a commencé à trop bouger. Au moment où je le sors mon snipe, il m'avait pas vu hein, c'est juste au hasard. Et je sais plus si c'est lui que je tue. Non je le suis pas lui quand même. Je sais que je suis bon mais pas. Non, ah non. Je tire dessus, je crois. Ah non, il saute. Et là, je crois qu'il était mort, en fait non. Du coup j'ai pas tiré. Ah on va vous montrer le deuxième crash de la météorite quand même.
Non, mais la médaille dorée, j'ai dit que je voulais montrer. Deux, je retourne toi en arrière. C'est juste pour être sûr de pas louper le. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. C'est beau, hein, ils construisent les mecs, hein. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas d'où elle louper. On va faire comme ça. Ah, c'est détruit avant que la météorite arrive quand même, hein. C'est chaud. Là il y en avait plusieurs, ouais, ça, sur le coup ça m'a. En fait c'est la première fois que ça m'arrive moi qui ai autant de météorites, hein. Donc ça m'a vraiment inquiété, enfin inquiété entre guillemets, vous me comprenez. Et donc là du coup, eh ben j'ai commencé à rush. Et je crois que là j'ai plus fait de kill, on est combien? Non non non, refous le gameplay. Hop, on va faire comme ça. On est 4. 4, je crois que j'ai refait un kill, pas plus. Et encore je suis pas sûr. Non, on les voit pas les kills, je sais que j'en ai fait 4, mais peut-être 3. Oh, ça m'étonnerait 3 quand même. Que j'étais content d'avoir fait 4. Peut-être que j'ai fait les 4. Je crois que j'ai fait les 4 et que je me suis arrêté là. Ouais, j'ai fait les 4 là, je crois qu'il. Oh, j'en sais rien. Oh, j'ai kill le mec au sniper. Non, j'ai fait 3 kills là. Oh, sur les 4, je me souviens pas d'avoir encore tué un. Ils sont où les. Ah ouais. Le mec était trop chaud. Sans zonite, ni qui. Ah ouais. Il y avait qui dans les autres games? Juste pour voir vite fait, hein. Je regarde juste quelqu'un que je connais. Ça tire des roquettes, hein. Ça sent même plus les roquettes. C'est là que j'ai commencé à stresser en vrai. C'est à cause des roquettes. C'est violent, c'est très très violent. On est 3, non j'ai pas fait de kill là. Et encore une. Celle-là je vous montre pas, je l'ai déjà montré deux. Il y avait pas mal de crash dans celle-là. Peut-être que c'est vers la fin qu'il y a des crashs de météorites, j'en sais rien. Là j'ai commencé à dire putain je suis dans la zone, ils sont 3, on va les laisser se tuer. Là, ils se sont tués, ils se sont affrontés, hein. Les mecs sont face à face là. Et le truc c'est que moi je suis mort façon bête, qu'en plus je savais où elle était, la personne. C'est elle, hein, c'est ouais, Nico. Nico. Là il m'a vu, déjà je suis lag, ce qu'il m'a vu, il savait où j'étais. Là rien que ça j'étais lag. Et ensuite j'ai construit du coup mon fort de poche. J'étais pas dans la zone, hein. Vous voyez l'intelligence. On m'applaudit, bravo, même pas dans la zone. C'est pas pire que PUBG hier, mais et là, je me suis dit on va placer un piège, au cas où si elle vient me faire chier. Parce que les pièges sur le côté, faut savoir que ça fonctionne pas, hein. Les trampolines sont bien trop rapides, les pneus font aller avec trop de vitesse, ça ne fonctionne pas, c'est bien trop rapide. Jamais mettre des pièges sur le côté, ça ne fonctionne pas. Là je me dis bon, on pète. Et là je me suis dit, on va péter toutes ces constructions, comme ça, hop, plus rien. Là, je vous dis, j'aurais pu gagner, il y avait moyen. Et là. Un tir, elle m'a fait. Un tir, et je suis deg. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, même si c'est pas déjà fait, ça peut servir. Et sinon, bah. Voilà. Là je vais faire mes lives, si jamais il y en a qui veulent me rejoindre. Bien, la vidéo sortira après, live je crois, le temps qu'elle se télécharge et tout. On va juste faire un petit tour dans la zone, ça vous dit un petit tour dans la zone? Allez. J'ai loupé quoi? J'ai loupé. Oh j'aurais pu prendre cette popo. Il y avait pas mal de stuff en vrai, regarde tout ça là. Ah ça c'est le mec que j'ai kill. Oh, qu'est-ce que j'ai loupé sur ce mec là? Encore 16 secondes pour aller voir. Il y avait de tout, mais je crois que j'aurais rien pris. Hein. Là, il y avait des pièges, il y avait des munitions. Ouais, j'ai pris quelques trucs quand même. Après, le mec allait chercher, c'est chaud. Hein, mais oh, il y avait un, oh, il y avait le lance-grenade.
lance ce que vous voulez, salon de grenade. Écoutez, on se retrouve plus tard. Allez, ciao!